Quel est le sport préféré des Français? Si vous avez répondu le foot, eh bien vous avez raison. Et le baby-foot est le jeu qui permet de rassembler amis et familles autour d'une table et ce, dans la bonne humeur. Il y a vraiment des baby-foot de toutes sortes et à tous les prix. Certains adaptés aux enfants, d'autres clairement pensés pour les adultes et d'autres encore très robustes pour les bars et les lieux publics. Ici, je vous propose un comparatif des meilleurs baby-foot du moment. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, sachez que les liens sont en description pour acheter. Pensez à nous laisser un commentaire pour nous dire quel est le prochain top que vous voulez voir sur la chaîne de commentacheter.org. Et pensez également à vous abonner par la même occasion. Restez jusqu'à la fin car ce top n'est pas forcément dans l'ordre du moins bon au meilleur. C'est simplement pour nous les 5 meilleurs du moment et selon vos besoins, votre choix pourra se porter sur un baby-foot plutôt qu'un autre. Même si je vous réserve la légende des baby-foot pour la fin. Le top du top, le baby-foot Stella Star, qui est pour moi ce qui se fait de mieux. Stella est une société française qui fabrique des baby-foot depuis presque 100 ans. Le savoir-faire n'est donc plus à contester. La qualité de fabrication est exceptionnelle, avec une caisse et des pieds entièrement en bois massif qui lui assurent un poids de 95 kg. C'est du lourd et ça reste parfaitement en place. L'assemblage et les finitions sont sublimes, c'est vraiment du sérieux. Le design est plutôt classique, mais on sent qu'il y a une recherche esthétique assez prononcée qu'on ne retrouve pas souvent chez les concurrents. Les moulures en acier autour des poignets ou de la sortie des balles, les bouliers pour compter les buts faciles à atteindre à côté de chaque joueur, etc. On aime les baby-foot Stella pour les sensations de jeu qu'ils fournissent. Les joueurs sont en effet plus grands que sur les autres baby-foot, ce qui permet de contrôler le ballon de la tête lorsqu'on retourne le joueur. Cela offre bien plus de solutions et des actions différentes de ce qu'on peut avoir l'habitude de voir. Idem pour les bandes latérales obliques qui permettent de soulever plus facilement la balle, pour des parties spectaculaires. Bref, j'adore. A noter, il est aussi dispo avec ou sans monnayeur et sera donc parfait si vous cherchez un baby-foot de bar. Le meilleur rapport qualité-prix, le baby-foot Sulpi Outsider. Sulpi propose vraiment de l'excellent matos à des prix très compétitifs. Ce modèle Outsider en est le parfait exemple. Il n'a rien envié au modèle précédent, mais il coûte environ 25% de moins. Sa caisse et ses pieds sont en être massif certifié PEFC, ce qui signifie que le bois est issu d'une filière écologique. Vous aidez la planète en vous faisant plaisir, c'est pas beau ça? La qualité de fabrication est remarquable et le niveau de finition est très correct. Du côté des sensations de jeu, c'est tout comme un Bonzini. Le baby-foot est bien lourd, il ne bouge pas sous nos frappes les plus violentes, il y a peu de zones mortes et on peut réaliser toutes les prouesses techniques que l'on souhaite. Hormis les cendres, puisqu'il n'y a pas de cendrier. Les barres sont robustes avec de beaux ressorts en guise d'amortisseur et elles coulissent parfaitement. Le point fort de ce baby-foot, c'est qu'il est entièrement personnalisable. Il y a plusieurs choix de couleurs pour la caisse, pour les mains courantes et pour les joueurs, sans payer le moindre supplément. On peut donc avoir un baby-foot quasiment unique et l'adapter au mieux à notre décoration intérieure. Petit prix, beau design, personnalisation, bonne sensation de jeu, que voulez-vous de plus? Le meilleur baby-foot pas cher, le Mister Baby-foot Bistro. Vous cherchez un baby-foot pas cher, offrant les mêmes sensations de jeu qu'un modèle haut de gamme? Alors c'est chez Mister Baby-foot que vous le trouverez. Ce modèle Bistro est parfait pour un petit café de village, un collège ou une association, puisqu'il possède un monnayeur. Ce dernier est désactivable à notre guise si on souhaite jouer gratuitement ou offrir des parties à des clients fidèles. Pour le prix, la qualité de fabrication est vraiment exceptionnelle. La caisse est en panneau mélaminé de bonne épaisseur, les pieds sont en bois brut, les barres en acier chromé et les joueurs en aluminium. Bref, on retrouve quasiment les mêmes matériaux que sur un baby-foot haut de gamme. Le design est assez similaire à un Bonzini, avec de larges mains courantes, des buts en métal poli, un tapis en Gerflex et des joueurs bleus et rouges. Les sensations de jeu sont vraiment très intéressantes. Les joueurs confirmés auront peut-être quelques légères critiques à faire, mais le joueur occasionnel et même l'amateur accro ne trouveront rien à redire. Si vous n'avez pas un gros budget, alors foncez, vous ne regretterez pas cet achat. Avant de découvrir The Legend of Baby-foot, sachez que si vous disposez d'un espace restreint, il existe également des baby-foot pliables. C'est le cas par exemple du Gorlando Master Pro.
vous manquez de place à la maison, mais vous souhaitez tout de même faire l'acquisition d'un bon babyfoot, alors un modèle pliable sera probablement une excellente solution. Ce garlando est une excellente solution puisqu'il est pliable et prend peu de place une fois rangé, mais également parce qu'il est conçu pour pouvoir survivre à l'extérieur ou dans une pièce un peu humide. On pourra donc le stocker dans le garage en hiver et le laisser sur la terrasse en été. La caisse est en contreplaqué multicouche de 20 mm, couverte d'un laminé plastique lui permettant de résister parfaitement à l'eau, et les pieds sont traités anti-corrosion et anti-rouille. L'assemblage est parfait, c'est du solide. Avec 75 kg sur la balance, des pieds inclinés et des ressorts transverses, la stabilité est parfaite. Les joints sont directement moulés sur les barres, ils sont en plastique, mais de très bonne qualité. Le fabricant assure qu'ils sont indestructibles. Les sensations de jeu sont un peu différentes d'un babyfoot de barre. Le tapis est un peu moins dur, mais ça reste vraiment très plaisant. Les barres coulissent parfaitement et on peut réaliser tous les gestes techniques que l'on fait sur un modèle en bois. C'est vraiment le genre de babyfoot qui rend nos vacances d'été encore plus mémorables. Le rapport qualité-prix est excellent, c'est un babyfoot durable et pas trop cher. Et enfin, voici la légende, le Bonzini B90. C'est en réalité le petit frère du B60, qui lui possède un monnayeur et que l'on croise dans de très nombreux bars et bistrots. Le B90 est la version plus familiale, il n'y a pas besoin de mettre de pièces à l'intérieur, mais pour le reste, rien ne change. La qualité de fabrication a très bonne réputation, et pour cause. Certains babyfoot Bonzini passent des dizaines d'années à être maltraités dans quelques cafés de village, et ils fonctionnent toujours aussi bien. On aime son design tout en rondeur, ses larges mains courantes, ses buts en acier et ses cendriers qui nous permettent de réaliser un standard très chanceux pour gagner un maximum de points. Les barres coulissent à la perfection, les joueurs en fonte d'aluminium permettent de mettre des mines terribles et on pourra faire des gamelles, des lobs, des pêches, autant qu'on le souhaite. Pas besoin de discuter des heures sur ce babyfoot, il a déjà fait ses preuves et tous les amateurs le connaissent. On ne peut pas se tromper en commandant un Bonzini B90. C'est le babyfoot classique par l'excellence et c'est donc un achat qu'on ne regrette jamais. Alors, qu'as-tu pensé de notre top ? Es-tu d'accord avec notre classement ? Viens nous le dire en commentaire dès maintenant. Et si toutefois tu as une suggestion ou une idée de top, dis-le nous aussi en dessous de cette vidéo. Je te rappelle que les liens sont en description pour acheter et que si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne Comment acheter pour Orgue, c'est le moment de le faire.